So we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. Salut à toutes et à tous, c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2. On se retrouve tout simplement pour le tuto sur l'électricité, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je vous ai fait partir de la première salle pour vous montrer tout le chemin. Donc vous avez une première porte à ouvrir, vous allez ensuite vous diriger tout droit en sortant de la première salle. Il y a un générateur avec trois lumières rouges et les trois lumières rouges correspondent à chacune à un câble. Donc vous allez devoir suivre les câbles et ensuite vous allez tomber sur une valve. Alors les valves sont à activer avec votre touche action, donc X sur Xbox et carré sur PlayStation. Alors attention, les valves sont assez longues à appuyer, donc il faut que vous fassiez ça entre les manches. Vous le savez, entre les manches il y a 20 secondes où il n'y a plus de zombies, donc je vous conseille de faire ça entre les manches, comme ça vous êtes plus tranquille, à moins que vous soyez à plusieurs et que quelqu'un puisse faire tourner les zombies. Sinon en solo je vous conseille, comme ça vous êtes plus tranquille, parce que sinon ça peut vous taper dans le dos. Donc là je vous ai montré les deux premiers emplacements, vous voyez il y a deux lumières vertes, il y en reste une à activer. Alors attention, pour la troisième il faut par contre payer une nouvelle porte. Donc là voilà, juste ici, juste derrière la porte, vous payez la porte et la valve se trouve juste ici. Donc si vous ne trouvez plus et que vous n'arrivez pas à vous repérer par rapport à la vidéo, tout simplement il faut suivre les câbles, c'est très simple. Une fois que vous avez réalisé les trois valves, vous allez devoir retourner vers le générateur avec les lumières vertes et vous allez devoir activer une foreuse qui va créer une explosion. Alors attention, l'explosion va libérer des zombies en feu, donc faites attention, essayez de prendre une arme, gardez pas l'arme de base. Moi vous voyez j'ai acheté la type 100 et comme ça vous pouvez tuer tous les zombies. Donc une fois que ceci est fait, vous allez retourner à l'emplacement, vous allez tomber dans le trou que ça a créé grâce à la foreuse. Donc là vous voyez je tue les zombies et ensuite vous allez retourner donc à l'emplacement de la foreuse juste ici, vous tombez. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne vous fait pas de dégâts et ensuite vous avez juste à suivre le chemin que je vais réaliser dans la vidéo. Vous le voyez, il y a un nouveau générateur, cette fois pas besoin d'appuyer longtemps, vous avez juste à appuyer une fois sur carré et l'électricité est activée pour toute la map. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.